Goldor Mirabeau signifie pour Genève, je pense, une belle histoire d'amour entre le lac, la voile, les régatiers, le sport et puis aussi l'amitié, simplement parce que quand on fait une régate, on est un équipage c'est un moment qui est soudé, des équipes qui sont soudées, qui sont à fond dans le terrain quand les conditions de météo le nécessitent et puis quand le vent a peine à venir, il y a des bons moments d'amitié qui peuvent se créer à bord, se construire et s'entretenir. Donc un beau moment sportif et un beau moment de camaraderie. On est particulièrement content. La première chose, c'est qu'on a 567 bateaux qui sont inscrits, ce qui fait à peu près 3000 concurrents. Donc on est toujours dans une progression des participants. C'est 10% de plus que l'année dernière. Donc c'est bien. Ça veut dire que les nouveautés qui sont progressivement mises en place commencent à apporter leurs fruits. Le fait d'avoir du vent nous garantit d'avoir les premiers bateaux en fin d'après-midi à la nautique, aux voiles. Donc on espère que le public réponde présent à ces différentes animations. On a aussi amélioré encore les balises, on a une application et je crois que, en tout cas pour les followers ou pour les spectateurs, les conditions seront parfaites pour faire des images incroyables qu'il ne faudra pas hésiter à partager. Ça fait aussi partie de la dynamique de la course, c'est que le spectateur nous rapporte un petit peu son propre vécu de la manifestation. Nous avons une histoire assez longue avec la voile, puisque ça remonte à 1888, où on retrouve les premières expériences de la famille Mirabeau dans la voile. Ça fait 12 ans qu'on est partenaire du Bol d'Or, et un vrai partenaire où on veut s'engager pour faire en sorte que le Bol d'Or soit une fête de plus en plus grande chaque année.